Taras. Ah. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur. Là où on ne dit pas vous le connaissez, mais vous le connaissiez. C'était un garçon parce que là, il est mort, du moi, coup. J'étais chasseur. Hey, salut tout le monde, c'est Buscaman, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte de The Witcher 3, un jeu qu'on n'a pas l'habitude de voir en ce moment, n'est-ce pas, hein, puisque personne n'y joue. Hein, bien sûr, c'est des grosses conneries, ça va être le jeu le plus streamé en ce moment sur Twitch. Bref, The Witcher 3, on est sur PS4, alors pour ceux qui ne connaissent pas, je pose un petit peu le décor, n'est-ce pas. Donc c'est un jeu de type action RPG dans un monde ouvert, n'est-ce pas. Un monde de toute beauté, comme vous pouvez le voir. Donc ça se passe à une époque plutôt médiévale. Hein. Donc on est sur de l'open world, comme je l'ai dit. Donc en fait, vous allez incarner un sorceleur. Donc un sorceleur, c'est un tueur professionnel de monstres, entre guillemets. Ouais, enfin, ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Bah de quoi? Descends du cheval, déjà. Alors, il faut savoir déjà... on est sur PS4, mais les touches sont pétées de ouf. Alors, je bois des trucs, je crois. Mais je sais même pas comment je fais. Non, mais tu ranges ton épée. Avec une épée et tout. Allez, va trouver. Regarde, attends, il y a juste un petit truc cool avant de commencer. On appuie deux fois sur le joystick gauche. Et on appelle le cheval. Le cheval, c'est trop génial. Allez, tu montes. Alors attends, bâtard. Donc c'est vrai que les touches sont pas top. On tape avec carré et triangle. Donc je sais pas si vous voyez un peu le délire. Donc bref, les touches sont super dures à prendre en main. C'est un peu le défaut, on va dire. La jouabilité qui est pas au top niveau. Est-ce que tu peux sauter ça? Attends, interroger l'herbiste au sujet de... Ok, d'accord. Je suis désolé, ma petite dame. C'est bien, Ablette. Allez, on va faire la quête. Enfin, je sais pas trop. Hein. On va bien voir. Utilisez vos sens de sorceleur. Ouais, c'est un jeu où vous avez des quêtes. Vous passez le plus souvent du temps à répondre à des PNJ, hein, des personnages non joueurs. Parce que c'est pas un jeu online, hein, c'est vraiment un jeu solo. Mais c'est une porte, ça. Ok. Donc là, voilà, ça va être. On va devoir. En fait, vous avez. Pas du tout. Passons à l'évidence. C'est la. Fleur rouge. Vous êtes herboriste, vous aussi? Non, ce serait. Le mec s'en bat les couilles. C'est pour vous dire que le bidance est vénéneux. À forte dose, oui. Mais bien utilisé, il peut soulager la douleur et apaiser le sommeil. Le mec s'en bat les couilles. Il rentre chez les gens comme ça. La meuf, elle lui dit de lui passer des herbes et tout. Des herbes de Provence. N'importe quoi, la meuf. Je cherche du néprin. Je cherche du néprin. On peut en trouver dans la région. Les doublages sont pas mal. Oui, au fond de la rivière. Mais ça fait très jeu de rôle quand même. Hein. En même temps, c'est le but. Et pour ceux qui aiment vraiment pas. Ouais, je vais passer. Pour ceux qui aiment vraiment pas les jeux de rôle. Enfin, The Witcher, c'est qu'on en entend beaucoup parler, mais c'est quand même assez particulier. Je veux dire, ça s'adresse vraiment à un type de personnes qui aiment vraiment les jeux comme ça. Vous n'allez pas vous y retrouver si vous voulez un. Enfin, je sais pas trop comment dire ça, mais c'est vrai que c'est pas... Si vous êtes pas déjà dans le délire un peu époque médiévale, jeu de rôle, tout ça, tout ce qui est Skyrim ou encore Dragon Age Inquisition pour les plus récents, passez votre chemin, voilà. Nilfgaard aime l'ordre par-dessus tout. Pas question de laisser un griffon semer le trouble dans la région. Oui, il s'occupe d'abord des monstres avant de penser aux êtres humains. Vous n'êtes pas d'ici, je me trompe? Il y a trop d'amertume en vous. Beaucoup trop pour une femme censée avoir passé sa vie dans une hutte au milieu de nulle part. Ouais. C'est vrai. Et vous? Vous êtes pressé. Sinon, vous n'utiliseriez pas un appât pour attirer le griffon. Je crois
On pourrait avoir une conversation intéressante. Une prochaine fois, peut-être. Donc voilà, donc ça, en fait, c'est tout le temps des phases comme ça, en fait. Vous allez d'un point A à un point, vous allez d'un point A à un point B, et vous répondez, vous parlez avec un PNJ, voilà, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc c'est pas le... C'est pas, on va dire, je l'ai acheté The Witcher 3, The Witcher 2, j'avais essayé, j'avais pas apprécié spécialement. Je me suis dit, allez, The Witcher 3, je vais essayer de me mettre dedans. Comme je vous l'ai dit, ça c'est vraiment un, ça s'adresse vraiment à un certain type de joueur. Moi, je suis pas trop jeu de rôle de base, enfin, ça dépend vraiment, en fait. Mais là, je sais pas, j'arrive pas réellement à accrocher au jeu. Bon, en même temps, j'ai pas joué beaucoup, je suis au tout début, vous allez me dire, mais... Mais il y a un petit truc qui me... Le jeu est beau, hein. Vous voyez quand même les paysages sont quand même sublimes. C'est du 30 images par seconde, là il n'y a pas de baisse de framerate, juste pendant les cinématiques. Tout doux maintenant. Non, mais descends du cheval s'il te plaît. Donc voilà, vous prenez votre cheval et puis hop, c'est parti. Alors on a plusieurs sorts ici. Alors influence l'esprit des adversaires, provoque un souffle. Inflige des dégâts, crée un bouclier de protection, déploie un piège magique. La piste est encore fraîche. Mislav vient de partir. Alors, on va y aller à... On va y aller à pied. Ok, il y a des traces de pas encore là. Alors ça, c'est sympa, faut le dire. Trace de pas, ok, allez, on va suivre tout ça. T'es qui toi? D'accord, c'est peut-être. Vous êtes Mislav. Chut. Vous avez entendu? Eh mec, il se parle comme ça, normal, tu sais. Mec, tu vois un mec avec une épée, avec une tête. Avec une putain de cicatrice à l'œil. Vous êtes Mislav? Oh, c'est moi, vas-y, qu'est-ce que tu veux? Ah, je viens de puter. Où avez-vous trouvé les corps de Nifagar, plus dangereux que les... Je chasse un plus gros gibier. Bon, moi je vais direct au but, hein. Je vais pas chercher à parler trop avec lui. Ah, je vois. Vous êtes un sorceleur. Il y a une fameuse tueur de monstres dont on cause dans le village. Oui. Il faut savoir que les sorceleurs, c'est des mi-hommes, mi-mutants. Hein. On a des pouvoirs magiques, tout ça, et donc on est très mal vu par la société. Voilà. Vous voulez bien m'aider? On échange nos services contre de la thune, donc forcément... D'accord. Le griffon n'ira pas loin de toute façon. Non mais non. Oui, non mais oh, j'aurais dû faire... Suivez-moi et ne faites plus un bruit. Bon, j'en bats les couilles, pierre du griffon. Ça fait longtemps que ces chiens posent problème. Depuis le début de la guerre. Les soldats tuent les hommes, violent les femmes. Ah ouais, c'est beau quand même, c'est beau. Franchement, ça pète les yeux. Faut le dire. Sans personne pour s'occuper d'eux, ils se regroupent en meute. Donc on peut se crafter plein de trucs, hein, des armures, des épées, tout ça, enfin, on peut se crafter plutôt pas mal de choses. On récolte pas mal de trucs, voilà, genre là, hein, un peu à la Far Cry si je puis dire, pour ceux qui... Pour donner quelques petits points de vue comme ça à droite à gauche pour... Ils ont encore frappé. Attends mec, moi j'ai pas d'arc. Alors attendez, sors ton épée, voilà. Et c'est quoi ça? C'est un loup, c'est un lapin. Hop, voilà. Donc alors, je crois ce qui est différent de The Witcher 1 et The Witcher 2, c'est que maintenant, il n'y a plus réellement le système de combat où on... Enfin là, c'est vraiment du combat où le tour par tour, il n'y a plus le tour par tour où genre on bute un adversaire par un adversaire ou je sais plus trop quoi. Là, c'est vraiment on fonce dans le tas et on multiple combo dans la gueule des adversaires. Quoi. Un peu à la Batman finalement. Encore une fois pour donner un petit point de vue. Donc là, tu t'es fait un peu défoncer ta race. Ah. Dieter. Vous le connaissez? J'ai servi avec lui au manoir du Seigneur. Là où on dit pas que vous le connaissez, mais vous le connaissiez. C'était un garçon parce que là, il est mort, du coup. J'étais chasseur. Mais c'était avant que... Enfin bref, ça fait longtemps. Désolé. Vous étiez proche? Non, pas du tout. Bon. Alors, je m'en bats les couilles. Vous pouvez me montrer l'endroit où vous avez trouvé les Nilfgaardiens? Yep.
savez-vous sur le préfet? Allez, ma gueule. C'est pas trop. On sort sur l'épée. Alors, c'est vrai que j'aimerais bien avoir un arc, ce serait sympa. Donc c'est vraiment un jeu qui peut durer énormément dans le temps. Je veux dire, vous n'avez pas réellement une heure précise pour finir le jeu. Ça dépend vraiment de votre style de gameplay en fait. Enfin, si vous faites toutes les quêtes, tout ça, vous en avez pour des centaines d'heures. Bon, après, si vous faites vraiment que l'histoire, tout comme ça, vous en avez un peu pour moins. Mais c'est quand même un jeu qui dure super longtemps. Et c'est quand même, franchement, il faut le dire, c'est beau. Donc sur PS4, ça tourne sur du 1080p, 30 images par seconde. Et sur Xbox One, c'était en 900p initial et il y a eu une mise à jour qui l'a mise en 1080p. Donc bref, les deux versions sont égales, hein, il faut le dire. On y est. Il y avait un corps là-bas. Donc, comme vous le voyez, je vais lui couper la parole, mais c'est à chaque fois vous allez d'un point A à un point B et à chaque fois cinématique, cinématique, cinématique. Donc il faut vraiment avoir de la patience, vraiment. C'est pour ça que je dis encore. Ça va aller. Ce n'est pas le cas. Il faut. Ça s'adresse vraiment à un certain type de personnage. Le jeu peut être attrayant comme ça, mais c'est quand même assez complexe et il faut vraiment se mettre dans le bain. Et il est assez compliqué. Les Nuits Gardiens célébraient leur victoire et le Griffon est venu gâcher la fête. Donc là, il faut que je fasse. Il faut que j'examine quelques trucs, c'est ça? Alors, trouvez le nerf print dans le lit de la rivière à l'aide de vos sens de sorceleur. Okay. Le sol est noir, gorgé de sang. J'entends un loup. Ces empreintes sont plus anciennes et plus profondes. Des hommes en armure lourde. Sans doute des Nils gardiens. Saute! Ah, t'es sérieux là? Ça va pas le faire ça, jeune homme. Ah oui, voilà. Vous voyez, pour sauter, c'est rond, sans déconner. Non mais. Qui a pensé à ça? En fait, elles vont pas du tout par là, elles vont par là. Saute! Attends, y'a quoi là? Vas-y, ouvre. Ouvre! Va-t-il ouvrir? Bon. Vous savez quoi, il m'a saoulé, hein? Donc on va continuer par là. On verra bien où ça donne. Un campement. Alors attendez, où est-ce qu'elles vont? Ah ouais, d'accord, ok, il faut remonter jusqu'à. Saute! D'accord. Vas-y, va par là, ma gueule. Saute! Aïe. Ok, d'accord. Hop, nice. Donc là, je suis en mode exploration, mon pote. On va monter des petites montagnes, tout ça, c'est plutôt sympa. Alors là, par contre, faudra... Saute! Oh putain, il m'a fait peur! Tu... Ah. Où ce qu'il en reste. Ah, ce cadavre est une quinzaine de jours. C'est pris trop cher. Il était encore en vie quand le Griffon l'a ramené ici. Stylé. Les hommes est mort à petit feu. Butin de quelques mois. Chevaux, chiens, humains. Un jaloux. Une femelle. D'après les larves sur sa carcasse, elle est morte depuis au moins une semaine. Il se parle tout seul, le type. Le Griffon est sans doute un mâle. Des entailles profondes sur tout le corps. Et pas une goutte de sang sur le bec et les griffes. Tu te parles tout seul, type. Elle s'est pas défendu. Ils ont dû la surprendre dans son sommeil. D'après l'usure du bec et les poils gris dans la fourrure, elle devait avoir 10 ou 12 ans. Qu'est-ce que tu dis ? Rachis épais. Donc vous avez des petits mini-jeux dedans, et je sais, il y a un jeu de cartes dans ce jeu-là. Qui s'appelle le Quitch, ou je sais plus, le je voilà sais à peu près le mal ça. Était aussi moi, c'est un petit jeu de cartes, voilà, ça rajoute un petit peu certaines choses, donc vous pouvez jouer avec certains PNJ à ce jeu de cartes. Et ce que j'aime bien en tout cas, c'est qu'ils ont, vraiment raffiné. D'accord, je croyais qu'il y avait un truc de combat, mon gars, parce qu'avec les. Ils ont vraiment raffiné le packaging du jeu en fait.
pour ceux qui achètent la version boîte, vous avez une mini-carte, donc un peu à la GTA, si vous voyez ce que je veux dire. Ah si, on va appeler le cheval parce que là c'est bon, j'en ai marre. Donc vous avez une petite mini-carte et vous avez la soundtrack du jeu, donc vous avez la bande-son du jeu, donc c'est plutôt cool. Vous avez les musiques, vous avez toutes les musiques du jeu réunies sur un CD. Tu peux pas sauter là? Sérieux? On y va. Alors trouvez le nerf-print dans le lit de la rivière à l'aide de vos sens de sorceleur. Allez, est-ce qu'on doit aller là-bas? Bon allez, on y va. Je sais pas trop où aller. En vrai, c'est plutôt appréciable. Franchement, je trouve ça cool. Il y a de plus en plus, enfin, de plus en plus d'éditeurs devraient le faire. Je veux dire, genre mettre sur un CD à part la musique, les musiques du jeu, par exemple, mettre toujours un petit poster et tout, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Alors, tu m'expliques par où je dois passer là, par contre, par là-bas là. Ok, on y va. Donc là, je pourrais pas vous montrer tout le système de craft parce que pour l'instant, j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Je pense pas que ça sera dans cette vidéo de toute façon. Après c'est vraiment un petit tour d'ensemble, hein, l'histoire de vous faire kiffer les graphismes. Mais sinon la framerate, je trouve qu'elle est plutôt stable. Il n'y a pas réellement de baisse de framerate, donc c'est cool. On y va. Vas-y, sors. Là je dois aller dans la rivière. Nage. Ok, plonge. Ah, c'est carré. Non, mais c'est quoi ces touches, s'il te plaît, quoi? Ah, pas mal, pas mal. C'est pas mal. C'est plutôt beau, faut le dire. Ça va, on a plus. Vas-y, je prends tout, je m'en fous. Hop, ça va, on a une grosse... Alors attendez, il va peut-être falloir aller là-bas. Vas-y, sprint. On va remonter. Je ne peux rien faire de plus. Il faut que je parle à Vesemir. D'accord. Bon, il faut retourner là-bas. Donc let's go. Je pense que la vidéo va durer entre 20 et 25 minutes, on va voir. Voilà, je suis pas du tout un expert moi en The Witcher. Oh, pas mal la petite combinaison mouillée et tout ça. Ah non, mais mec, j'allais foutre une patate au cheval quoi. Ah ouais, mais mec, tu. Hop. Ah, mais là, vous vous dites putain, il galère et tout, mais je vous assure, les touches elles sont vraiment pétées quoi. C'est-à-dire, j'ai jamais vu ça dans un jeu, tu sais. La dernière fois c'était là où on s'est bastonné. Donc là il y a notre pote qui est lui aussi un sorceleur. Est-ce qu'on peut tuer le chat? Oui. Donc lui c'est notre pote. Qu'y a-t-il, loup blanc? J'ai accepté un contrat pour le griffon. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le capitaine de la garnison sait où Yennefer est parti. Et la mauvaise, c'est qu'on va devoir tuer le griffon à sa place. Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à deux sorceleurs? Vas-y, dis-moi tout. Le griffon a abandonné sa tanière, on va devoir lui tendre un piège. Et ça donne quoi? J'en sais un peu plus sur lui. C'est un mâle qui avait fait son nid dans le bois vulpin. Les Nilfgaardiens ont brûlé la forêt, tué la femelle et détruit les œufs. Je sais pas qu'ils disent Nilf, j'ai l'impression qu'il dit Milf. C'est toujours la même chose. Je sais pas ce que c'est une milf. C'est une meuf d'un certain âge qui aime le sexe. Voilà, hop. Allez, merci. J'ai trouvé le nerf-print. L'odeur est assez puissante. Ça devrait fonctionner. Tu veux dire que ça pue, oui. Espèce de citadin. La viande pourrie, le fumier, la pisse. Oh, l'insulte, citadin. Ce sont les bonnes odeurs de la campagne. Ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un... Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à la fin de mes jours? Tout est prêt. On peut commencer. Il est temps d'installer le piège. Ça ne sert à rien d'attendre. Allons trouver un endroit pour lui. Bah alors, hâte de parler et fonce quoi, bâtard. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs, de l'autre côté de la rivière. Parfait.
On se retrouve là-bas. Ah, je passe. Hein. Bon, je sais pas. Je sais pas si on va tuer le griffon dans cette vidéo. Hein. Je pense pas. Surtout si notre pote y va à pied, je veux dire, il risque de mettre 35 ans. À moins qu'il court à la même vitesse que mon cheval. Est-ce qu'on peut l'écraser? Fait chier, on peut pas. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'avec le cheval, on peut pas sauter. Ou alors, je sais pas. Peut-être qu'il y a des. Je sais pas. Comme ça, un peu relou. Pas si vite, tablette. Lui, il y va à pied et tout. Et... ramasse la plante. Hop. Alors, voilà, encore une cinématique. Quel endroit charmant. Il y a pas mal de scènes de cul aussi dans le jeu. C'est plutôt appréciable aussi, il faut le dire. Allons-y. Le vent est favorable. Le griffon n'aura aucun mal à sentir là-bas. Pauvre mouton. Il ne reste plus qu'à attendre. Viens. Bah attends. On va se cacher à l'ombre de ses boulots. Dis-moi. Les petits boulots et tout. Une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. Ah, c'est si le temps y change. L'armée a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref. Alors ce que c'est que votre barbe pousse, vos cheveux aussi, donc vous allez chez le coiffeur pour vous couper les cheveux. Bon, et ça repousse, voilà. Et d'hibernation. Et grosse innovation dans le game. Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Donc, notre cheval, il est un peu à côté de la part, donc il risque de se faire pouffer normalement, hein, si le jeu est pas trop... Le griffon. Pour ça. Il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Attends. Je pense que je vais me faire défoncer. Ah, une petite arbalète, ça fait plaisir. Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Tiens, tiens, tiens. Ce n'est pas toi qui nous faisais la morale sur les vices du jeu. Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Ah, vas-y, on en discute, mec, tu joues aux cartes. Ah, mon cheval a disparu. Arbalète. Oh le bâtard. Non mais mec. Sélectionne. Ah, en fait ça le tue, ça le nique automatiquement en fait hein. Ça le vise direct ou c'est un hasard? Tape-le! Ah ouais d'accord, sa barre de vie elle est en haut. Oh là là, il contre tout. Et elle fait carrément que dalle son arbalète. Arrête quoi. Pourquoi il m'aggro? Crée un bouclier de protection. C'est quoi mec, on va se parer. Alors, influence l'esprit des adversaires. Et ça lui enlève que dalle, ça neige. Oh, je suis dead. Ah, je me suis défoncé. Hein. En même temps, je sais même plus comment on fait pour lancer charger la dernière sauvegarde. Bah ouais, je vais pas recommencer au tout début du jeu quoi. Donc il y a pas de temps de chargement aussi. Hein. C'est vraiment un open world. Voilà, GTA finalement. Et il y a aucun temps de chargement, bon, sauf quand là, pardon, quand vous mourrez. Mais sinon, vous rentrez dans les zones, voilà quoi. Il y a rien. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais bien sûr, le jeu doit péter Sarah sur PC. Donc tu vas m'apprendre à lancer mes putains de sorts, enculé, parce que là, ça va pas le faire. Mais je sais même pas, on vise même pas avec l'arbalète, genre ça aggro direct.
Allez, allez, passe. Passe. Allez. Le mec, c'est qu'il a pas le time. Inflige des dégâts de fou. Ah oui, il faut. Hop. Vas-y mec, j'arrive. Oh le bâtard. Ah, des poils le piège mec. Ah je le sens pas du tout. Oh le bâtard. Et il fait trop mal hein. Désolé pour les oh le bâtard toutes les deux secondes mais... 13 de dégâts. Mais barre-toi, putain, il m'enlève la moitié de ma vie à chaque fois qu'il me frappe. Allez, esquive. Et mec, tu sais quoi, on va le faire à l'arbalète, mais on bat les couilles. Allez, l'esquive, mon gars, c'est trop de brutalité. Inflige des dégâts de feu. Allez, je te fous des dégâts de feu dans la gueule, on bat les couilles. Attends, par contre, j'ai pas un petit... Allez. Eh, j'ai déjà plus de life, hein. J'ai déjà plus de vie, hein. Ah, regain de vitalité, ok. Attends mec, parce que là, si tu veux, je suis un peu dans le mal. Vas-y, reprends ta life. T'inquiète, t'as le time. T'as pas du tout le time en fait. Hein. Ah le bâtard, il fait trop mal. Hein. Mais casse-toi, mais je t'ai rien fait. Arrête de m'aggro comme ça. J'ai pas un truc de regain de vitalité là. Parce que l'arbalète, il faut le dire, elle est à chier mec. Je vais encore mourir, je vais voir. Vas-y, aggro. Ah là là, mais ça va être terrible. Est-ce que je pourrais monter sur mon cheval pour... Ah, petite baisse de framerate. Ah, il faut préciser. Eh, ça va être le combat le plus long de ma vie. Hein. Vas-y, ramasse la plante, là. D'accord. Tuez le griffon, mec. Vas-y. Ah, oh, je suis mort. Encore. Pour changer. Ah, mais là, je pense que ça va être la dèche. Là, ça va être vraiment hardcore. Putain, tue le griffon, mon pote. En fait, il faut que j'y aille au corps à corps parce que sans l'emballette, c'est vraiment de la merde, quoi. Et je vais voir si je peux pas crafter un petit truc avant là. Parce que c'est vrai que j'ai pas regardé ça. Il faudrait que je le fasse. Ouais, il faut gagner les niveaux aussi, hein, ça c'est sûr. Peut-être que je suis niveau de merde aussi, donc du coup... Allez, passe. Allez, c'est chiant, vas-y, faut tous retaper à chaque fois, là. Oui, une arbalète, ouais, ça fait plaisir. Vas-y. Alors, attends. Hey, choum, putain.
c'est génial, je peux rien faire. C'est quoi ça, objet rare? Ok. C'est quoi ça? Ah mais mec, tu me laisses... Hop, inventaire, donc attendez. On n'a pas de bombe, ok. Est-ce que j'aurais pas des gants un peu plus... Un peu plus... Bon allez, c'est quoi? On va aller en mode Valley Game Tonight. Multiple combo dans ta gueule, putain! On le défonce. Bah ouais, mais mon épée a fait carrément plus de dégâts, il faut le dire. Eh, je suis pieds nus, regardez. Ah, je suis mort, alors. Attendez, boss. J'ai enlevé mes bottes comme un pauvre couillon. Putain, je l'ai déjà enlevé pas mal de sa vie. Tape-le, 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 tape-le. Un bâtard. Voilà. Ah, s'enfuir de quoi, mec? Elle ne le laisse pas s'enfuir. C'est génial, il va se casser, ce bâtard. Et viens là le cheval là. Allez ma gueule. On va le buter ce griffon. Est-ce que je peux pas récupérer un petit peu de... Ah mec, si je me prends les murs toutes les deux secondes. Oh le bâtard. Vas-y, vas-y, vas-y. Bon, tu viens là, là, ou tu fais le... Tu fais le bâtard. Ah putain, mais vas-y, descends du cheval, putain. Et t'as intérêt à le buter, hein. T'as intérêt à le tuer. Oh putain, j'ai plus de life. Et tu sers à quelque chose, mon pote, ou... Et tu sors ton épée, s'il te plaît. Vas-y, recharge l'arbalète. Ah là, je suis dans le mal, mon gars. Bah voilà, il m'a buté. Non mais c'est génial. Je crois qu'on va arrêter là, tu vois, le griffon, il peut pas me tester. Il m'a juste défoncé. Donc j'espère que cette vidéo de merde, il faut le dire, vous aura plu. Parce que là, le putain de griffon, il m'a cassé grave les couilles. Je sais même pas si je vais le retenter, tu vois. Donc n'hésitez pas à lâcher un j'aime et un petit commentaire. Et si vous avez des putains d'astuces, n'hésitez pas aussi. Bon allez les gens, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, salut tout le monde.